Je crois que c'est un bon point de prix pour nous. Je pense qu'on a fait une première mi-temps où on a su se créer beaucoup d'occasions et malheureusement, on n'a pas pu marquer comme on avait l'habitude de le faire. La seconde mi-temps, c'est malgré tout un peu plus équilibré. On a trouvé un peu moins de fluidité et on a quand même cette possibilité de marquer, peut-être eux aussi. Voilà, c'est un bon point contre une belle équipe de Caen. Tout le monde ne viendra pas prendre des points ici. Donc après, on peut toujours être ou frustré ou moins frustré. Mais pour ce soir, je suis content parce que les joueurs m'ont donné beaucoup de choses. Et on n'a pas pris de but. C'était aussi l'essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, on a un effectif qui nous permet cela. On avait dans notre idée aussi, parce que j'avais un match dans 2 jours, de pouvoir faire tourner du monde. Mais il ne faut pas oublier le fait de vouloir venir gagner. Donc aujourd'hui, on a fait des remplacements poste pour poste, justement, pour essayer de gagner ce match. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Non, le plan, c'était d'imposer surtout notre jeu, d'avoir énormément de maîtrise dans le jeu et d'essayer, bien sûr, de donner pas mal de sécurité à partir du moment où on le perdait. Mais je crois qu'on n'a pas été vraiment mis en danger, à part sur une occasion en première mi-temps et peut-être un centre en deuxième mi-temps. On a très bien joué la profondeur de Caen, qui avait mis des joueurs rapides, notamment pour jouer vite en transition, comme vous venez de le dire. Donc voilà, je crois que c'est malgré tout un match où on ne prend pas de but. On est à 10 matchs sans perdre. Donc on va essayer surtout maintenant, comme j'avais dit, en conférence de presse, j'avais dit que le match de Caen était très important, mais que celui de Nancy était encore plus important puisque personne ne joue. Donc à un moment donné, c'est là où il va falloir prendre des points. Un peu de fatigue et puis peut-être des mauvais choix tout simplement. Je crois qu'on a le droit aussi malgré tout de par moment ne pas tout réussir. Ça peut arriver aussi à n'importe quelle équipe. Mais par rapport même au dernier match ou même à Guingamp, j'ai quand même trouvé que quand les joueurs étaient rentrés, il y avait quand même une ossature qui était restée. On l'avait travaillé cette semaine. On n'a pas vu une équipe qui se désorganisait. Et c'était très important pour nous de voir ça pour la suite. Et là, ce soir, c'est vrai que dans le dernier geste, dans la dernière passe ou même devant le but, on a été moins performants. Mais bon, ça peut arriver aussi. Et ils font beaucoup d'efforts. Donc à un certain moment, c'est pas facile pour eux non plus de pouvoir être tout le temps décisif, même si on attend d'eux justement d'être décisifs.